Sauf TV 83, toujours bon côté. Bonjour, bonsoir le monde. Moi, content une autre fois encore retrouver. Eh bien, pour faire vivre tout dernier nouvelle, Jean-Lia, sans nous pas retirer ni mettre, et c'est mission panne pour nous qu'on informer sur toute nouvelle qui a passé en Haïti ou encore à l'étranger. Mais information, Jean-Lia, zami audite, yon gros déclaration tête chargée, côté gros complot maré, pour touye Moïse Jean-Charles dans manifestation jodia. Et puis la guerre est là sous deux pouvoirs en place là selon Eude Lajoie. Suivant ça qui paraît pour arriver ancien sénateur, nouvelle affaire qu'on est, c'est même fantôme 509 qui gagne mission pour exécuter ancien sénateur Noah. Selon ça, nous t'a apprendre. La pas important pour me faire entendre plusieurs monde qui conspirait dans détail ça. Eude Lajoie fait qu'on est Reginald Boulos, Nenel Kassi, André Michel, sénateur Youla Tortue, André Michel ak tout l'autre membre opposition jodi a kap nan la ri pour mettre yon gwo brigandaï sous pied. Complot ça pas passé selon Eude Lajoie, eh bien yon gen tan pran devant pour annoncer ça quoi le passé. Li exhorté directeur la police là ou encore Moïse Jean-Charles li fait konnen ki déjà quitté Port-au-Prince kal dans le nord pour éviter yon gros massacre ta fait sous dol 17 octobre ça. Ou toujours connecté réseau Paula Sofia TV 83 en continuer vive Jean Salien et qui déclaration Eude Lajoie membre PHTK ta fait pour annoncer peuple là si ta grand problème qui rivé Moïse Jean-Charles c'est sous dos opposition radicale. Eude Lajoie, bonsoir, comment y est? Mais, ou ap suiv politique là, situation paraît compliquée, gen des mouvements annoncés, qui sont comprendre, Eude Lajoie? Et que population haïtienne n'a captan de nous, ici, tant qu'ou à l'étranger, nous gagnons pour nous partager avec nous cinq grands dangers que opposition mal propre là. Eude Lajoie, moi pas trop fort. Non, pas trop fort. Levez-moi Eude Lajoie. Enlever le dit opposition coupion, c'est planifié autour du 17 octobre là. Premier danger, yo planifié. Et yo te planifié pour te gen manifestation dans Port-au-Prince. Et n'après qui discussion, l'idée petite de Saline n'a fait avec un dirigeant opposition qui c'est un mauvais grain. L'autre si mon étudié botanique en 6e, 5e, c'est un insecte qui nuisible, yo les coléoptères nuisibles. Eh bien, nous avons collé au pied nuisible dans la politique, là, qui n'a opposition politique. Ou praloué, Jean-Michel fait discussion pour le dire de relé ancien sénateur Maurice Jean-Charles pour te inviter à la manifestation. Sénateur a répondu pour le demander, monsieur, sous qui numéro il te parlé avec. Eh bien, monsieur, ça a été planifié. Demain, si Dieu veut, dans la manif, il y aura organisé Port-au-Prince pour y être altiré sous ancien sénateur Maurice Jean-Charles, justement pour y être la gueule sous deux pouvoirs. Mais c'est de là que grave vous avez dit, là, et de là, comme non, si. Ma, c'est dans la ramasse, c'est dans la comme si diverses déclarations que Jean-Charles fait, comme si nous-mêmes, dans le niveau pouvoir, avons essayé d'utiliser ça pour créer confusion plus. Non, ça, c'est plus qu'on palissade. Et c'est une raison tout qui fait sénateur a choisi d'entrer dans le nord. Deuxième danger, coléoptère nuisible ça. Là, m'a parlé de Nenel Kassi. On est en force ou à citer non Nenel, là, pour demander pour droit de réponse. Et nous n'avons pas devant nous, puis nous avancer plutôt. Coléoptère nuisible ça, qui se reste avec Kaïr, Dimitri Vob, avec Reginald Boulos. Planifié pour 17 octobre, pour y habiller des gangs avec uniforme la police. Et pour qui ça, c'est dans l'idée pour faire la troublaille sous population et que pour y dire c'est police nationale là. Là, m'a invité directeur général PNH, là, monsieur Ramon Omil.
pour le très vigilant. Parce que une bagaille yo poko jam fait, c'est que ensemble policiers qui étaient détachés ou qui étaient en détachement à ancien parlementaire malfrat sa yo, yo poko jam retourner dans commissariat yo. Yo toujours été sous contrôle ancien parlementaire sa yo, et c'est yo même qui a fait brigandage par moment bon côté monsieur Sayo. Yo te planifié pour yo tirer en pile dans capital là et gen un groupe même qui montait dans zone populaire dans Giron Pèlerin yo avec qui intention demain samedi là dans moment manif yo a pral organiser moment yo pral prendre la rue pour yo envahir quartier Pèlerin 5 zone côté président république là à vivre. Encore une fois pendant cité non excellence là, encore une fois nous couper nous très bas devant dépouille papa li qui tirer jodia. Maintenant, mais parler de tout ça, yo, qui sont fait des déclarations chef gang Badelma barbecue. Non, quel que soit moun des poussées civiles armées qui ken des armes, quel que soit koto campé, nous-mêmes nous dénonçons non pas avec vous. Nous dénonçons non pas avec vous, c'est l'une des raisons pour lesquelles ou ap gade nan sécurité, moi prenne bien des policiers avec moi, m'pa gen civil armé avec moi, et moi même personnellement m'pa porte ça. Zam pa m'son épée, le on nèg ou pense ou pral attaquer m, se retour et ventre pour porte. Troisième danger, opposition coupion planifié autour de 17 octobre là, et que nous poté bourré ça nous dit, nous planifié pour demain samedi en appel le restin. Et dans même troisième danger ça tout, monsieur yo, monsieur dame opposition coupion yo. Et de la joie, c'est des citoyens haïtiens, citoyens haïtiennes, c'est fantitan. Comment yon compte sous fantôme 509? Yon utilisé deux responsables fantômes. Que m'bral prend permission pour me citer non yo. Gen yon se James Poula, qui se yon ancien sécurité, Michel-Ange Gédéon, qui se ancien directeur général PNH la. Avec on l'autre qui rele James Bayard, qui nan Udmo, James Bayard, c'est finevé au ancien militaire, au ancien officier des forces armées d'Haïti qui gen même nom avec Neveli qui qui porte même nom. Youn c'est James Poula, l'autre là c'est James Bayard. James Bayard c'est il neveu ancien militaire James Bayard. C'est deux messieurs ça yo mais coupion dans opposition que Dimitri Vob et Reginald Boulot a mené en et à commanditer dans fantôme pour aller réaliser forfait ça yo dans journée célébration Jacques 1er qui c'est papa nation hein? Pendant nous pral à mémoire Jean-Jacques Dessalines et bien nous gen des soi-disant moun ka fè politique moun qui aspire pour diriger politique yo même c'est la troublaille yo pral chercher mété dans le moment où il va célébrer la mort vaillant garçon ça qui c'est papa de Saline. Ma cité deux moun sa yo, c'est James Poula qui c'est ancien sécurité Michel-Ange Gédéon et James Bayard qui nan Udmo, c'est yo même que opposition coupion soudoyé pour al faire forfait demain dans manifestation à travers fantôme 500. Est-ce qu'on assume tout ça dit là et de la joie? Oui, non seulement m'assume et encore une fois faut que moi saluer police nationale là. Vous gardez la parole. Qui fait un bel coup de filet dans les nips. Je pense que les policiers là fait bon bagaille.
faut que nous saluer le tout. Et me pense famille moun sa yo tombé jan yo tombé ya. Nenel kasi pa wa nan peyi ya. Nenel kasi pa ka expose petit nou. Petit petit nou famille nou comme ça. Mm-hmm. Et là yo mouri c'est sans coucher, c'est sans coubet. Personne moun pa gen regard. Gen des moun ka vécu là di cri ou fait là son cri désespoir ou on pral perdre pouvoir tout bon. Non, non, c'est pas cri de désespoir, nous connaissons nous-mêmes, c'est dans la victoire que nous croyons. Seul bagaille, moi, dénoncer le fait que, en 2020, on équipe monde qui pensait pouvoir, c'est toujours dans brigandage, c'est toujours dans transition politique, mais ils n'ont pas jamais de capacité pour présenter à la nation un programme, pour présenter à la nation des de capables des paroles d'espoir qui inspire changement pour peuple marcher bon côté pour aller voter dans élection, mais c'est toujours dans craser brisé, c'est toujours dans du fait, c'est toujours dans tuer petit pays. Mm-hmm. Et encore une fois m'a demandé à monsieur Ramon Omil qui c'est directeur général PNH là, pour envisager toute disposition qui est possible pour que policier Sayo, qui était en détachement avec ancien parlementaire Sayo, pour le rappeler, pour le permettre de rentrer en bas commissariat, en pile fois c'est eux-mêmes que ont utilisé pour porter danger. Merci. Et m'a fini pour me dire, commandant Moïse lui-même, qui c'est un ancien sergent dans l'armée, commandant Moïse, un ancien sergent dans l'armée d'Haïti. C'est commandant Moïse en 2004, c'est un nègre qui était qu'on a attaqué commissariat un peu partout dans le pays. Le même commandant Moïse là, l'a travaillé pour bois droit Réginal Boulos. Tout le monde dans le pays a connu qui est ce qui bois droit Réginal Boulos. Eh bien, commandant Moïse, halte là. Pays a pas continué à prendre la main et trois mouns a été là, James Poulard, James Bayard et commandant Moïse, qui c'est un ancien sergent dans l'armée d'Haïti, qui en 2004 tape marché tiré sous commissariat. Yo, je pense qu'il faut que l'action publique allait en mouvement contre eux-mêmes pour yo mettre main au collet de ces trois voyous. Cap travail pour opposition politique là, et commandant Moïse, encore une fois, c'est pour bois droite, Réginal Boulos la travaille. Tout le monde dans le pays a connu qui est le monde qui bois droite, Réginal. Merci un peu et de la joie. Merci.